Coucou tout le monde, j'espère que ça va super bien. Je vais enfin déballer mes tulipes. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de les manipuler. Alors je vais faire attention à pas toucher le visage évidemment. J'ai trop hâte de les manipuler, de regarder leurs vêtements et tout. Enfin bref. Donc je vais déballer une tulipe sur cette vidéo. Donc ça sera l'achat de chez Shire aujourd'hui. Et l'autre tulipe, ça sera sur une autre vidéo. Donc excusez-moi si j'ai la même tenue, c'est parce que je les ferai juste à suivre. Mais vous, ça vous fera deux vidéos. Voilà. Donc ça fera sûrement des vidéos, je sais pas, peut-être 7 minutes, ou peut-être plus, je sais pas du tout. Ça dépend du temps de déballage. Donc voilà, je vais déballer l'achat de chez Shire. Donc d'ailleurs, je ferai une petite vidéo où je verrai un peu comment elle se positionne et tout. Je vous montrerai vraiment et voir les tenues que j'ai achetées, si ça lui va. Parce que j'ai une tenue pour elle et j'ai une tenue pour l'autre, donc une tenue de chat pour la mistinguette bleue. Et elle, en fait, c'est juste une robe rouge bordeaux qui ira super bien avec ses cheveux normalement. On verra bien. Donc c'est parti, donc j'ai commencé à ouvrir. Alors est-ce que ça serait pas plus simple que je vous montre plus ma tête, mais que je vous montre le bas? Comme ça vous verrez mieux ce qui se passe. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, je pense que ce plan sera beaucoup mieux pour que vous puissiez voir vraiment bien le déballage. Donc c'est parti. Alors là, il y a le petit manuel, je pense. Alors pour démonter et tout. Et ah oui, et puis pour savoir comment ça bouge. Ok, bon. Logiquement, je devrais m'en sortir là-dessus. Ah. J'ai le truc qui s'est un peu décollé là. Ça m'embête un peu. Pas casser la boîte, s'il vous plaît. Alors je vais faire comme ça, peut-être ça sera plus simple. Non, ça veut pas. Bon, ok. Alors excusez-moi, c'est j'essaye de pas décoller le plastique. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà, c'est bon. Bon, je recollerai le plastique parce que ça, malheureusement, quand je les ai reçus, c'était comme ça. C'est un peu problématique. Voilà. Donc voilà la mise. C'est sympa aussi le fond qu'il y a à l'intérieur, franchement. Je vais prendre sa petite carte. Ça risque d'être un peu plus long comme vidéo, alors du coup, hein, je suis vraiment désolée. J'essaierai de faire des petites avances rapides pour quand je déballerai le tour, sûrement. Alors, ah, ça a déchiré. Sniff. Je voulais pas que ça déchire. Pourquoi ils ont mis du scotch comme ça aussi? Franchement. Alors. La petite carte, alors, Today. Hein, ok. Donc voilà à quoi elle ressemble. Une fois toute déballée. N'est-elle pas trop mignonne, franchement? Comment voulez-vous que je résiste à une petite merveille? Hop, voilà. Donc, ouais, c'est juste une carte, il n'y a pas de truc derrière, ou voilà. Enfin, si, il y a un truc derrière, mais pas un... je saurais pas lire. Ce n'est pas français. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire... Ouais. Ça m'a l'air problématique, là. J'aurais voulu éviter de tout casser. Ah, ça recommence. Je voulais garder à peu près bien la boîte, bah ça va être raté. Ça va être raté. Bon, tant pis. J'ai pas le choix. Au moins garder sur le côté, ce sera déjà ça. Mais derrière, c'est fichu. Hop là, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Ok, alors là, il y a du scotch. Alors. Ah bah ça s'ouvre sur le côté, bon, c'est pareil. Oh, c'est super, mais super doux. Ah, excusez-moi pour ma chaîne qui aboie, je suis vraiment désolée. C'est trop doux, c'est tout doux, tout doux. Oh là là. Et je suppose que ça se met en collier. Bon, on verra ça après. Mais c'est super méga doux, hein, franchement, avec le petit dé là au milieu. Enfin, le dé qui n'est pas très très au milieu d'ailleurs. Faudra que je voie ça. Ouais. Voir s'il faut pas que je le remette plus au milieu. Bon, enfin, on verra bien si ça gêne ou pas.
Donc là il y a le socle qu'on va déballer aussi. Donc là je vais peut-être avoir besoin de mes ciseaux par contre. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ah ils sont là. Tout va bien, j'ai les ciseaux. Alors, ce sera peut-être plus simple avec les ciseaux quand même. Hop, voilà, et de 1 et de 2. Voilà. Ça c'est un bout du socle. Là on va voir le reste. Donc un socle doré quand même, hein, mine de rien. Un joli socle doré. Hop. Voilà. Il est très beau ce socle. Donc magnifique socle pour les faire tenir. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Ok, bon, c'est parti. On commence à déballer la mise. Donc est-ce que derrière ça sera pas plus simple pour éviter d'abîmer? Ah, elle a perdu son petit chapeau. Qui est très très doux aussi, dis donc, décidément. Alors voilà, je l'ai déballé. Alors on va lui enlever ça. Donc là, ça lui fait une queue de cheval pour le moment. Elle a les cheveux extrêmement longs. J'adore. J'adore énormément. Alors est-ce que... J'ai peur de tirer en fait. Voilà. Ah, ses cheveux sont superbes. Ah là là. Voilà. Bon, bah là, évidemment, vous allez la voir couchée du coup. Pour le moment. Donc voilà la miss. On va lui enlever les petits trucs sur les bras. Alors, redonne-moi ta... Voilà. Donc sa petite queue qui est vraiment très 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 douce. Franchement, j'adore. Elle est super. Alors, jusqu'où elle va sa main? Ouais. Bien sûr, je lui achèterai un corps au Bitsu, il n'y a pas de souci. Alors, ça sera pas tout de suite, parce que pour le moment, j'ai pas trop les moyens. Mais je lui en achèterai un, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de pouvoir lui acheter. Donc là, il faut que je la déballe entièrement. Je vois qu'il y a encore du plastique un peu partout, donc on va faire ça tout de suite. Je vais lui enlever ses petites chaussures, qui sont vraiment très très belles d'ailleurs. Hein. Les chaussures, waouh, sont superbes. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Ah non, c'est pas dans le bon sens évidemment. Voilà. Donc très très belles chaussures. Super talon. Hop, voilà. J'aime beaucoup ces chaussures. Voilà, voilà. Donc je vais lui enlever la deuxième. Donc là, il fait un temps, comment dire, pourrave, de chez Pourrave. Donc je vais devoir attendre qu'il fasse plus beau pour pouvoir prendre en photo la mistinguette. Qui est ici. Donc je pense pour le prénom l'appeler Arya, mais c'est pas encore sûr. Je vais voir. J'aime beaucoup Arya de Game of Thrones, je la trouve vraiment géniale. Elle a un petit côté espiègle et tout, enfin je la trouverais géniale et je trouve que ça lui correspond totalement. Parce que moi je veux garder le fait que ça soit l'univers de Alice au Pays des Merveilles, donc ça sera toujours chez Shire. Donc je pense l'appeler Arya chez Shire. Donc ça serait en gros. La fille du chat de Cheshire, etc. Enfin bref, je verrai plus tard exactement son histoire. Mais ça me semble pas mal du tout. Pour son caractère, ça me plaît énormément. Alors, et je trouve que le nom est vraiment très très beau aussi d'ailleurs. Pour information. Bon, est-ce que je vais réussir à enlever ce truc? Non? Bon. Je vais faire une avance rapide parce que là ça va être super long je pense. Voilà, c'est bon, j'ai réussi, tout va bien. Donc là, j'enlève ces vêtements, hop. Enfin, les vêtements que j'ai besoin d'enlever juste pour enlever le plastique. Ah, c'est un petit corset, d'accord, ok. C'est super mignon, je trouve. Ah, mais c'est... Il y a beaucoup de parties, hein. C'est fait en plusieurs parties, c'est sympa. Hop. Sa petite couleur, sa petite culotte qui est de la même couleur que le reste, c'est vraiment le détail jusqu'au bout. Alors, est-ce que je pourrais réussir à choper le scotch? Le scotch. Bon bah,
Donc voilà le corps. Alors, on va essayer de lui remettre ses habits quand même, mine de rien, ça serait mieux. Je vais lui mettre son petit bonnet. Donc voilà, bon bah, je vais passer à vous la montrer de l'autre côté, donc c'est-à-dire en facecam, parce que sinon ça va être problématique pour ses cheveux, vous verrez pas vraiment bien. Donc je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai dû recommencer ma vidéo en fait parce que je sais pas pourquoi ça n'a pas filmé quand je l'ai montré sur l'image en fait. J'ai pas dû mettre en action, mais c'est pas grave. Je recommence. Du coup, en fait, je voulais juste vous montrer une fois toute déballée, voilà, alors de plus près. Donc voilà la mise entière. Donc elle est vraiment trop trop chou. J'adore ses cheveux, franchement, j'adore ses cheveux. Ah non, hein, il y a mon chat qui est en train de monter sur la boîte, ça va pas du tout. Hop là, voilà, tout va bien. Alors, voilà, donc elle est vraiment trop trop chou, j'adore ses cheveux. Décidément, il veut pas me laisser tranquille. Voilà. Alors, ses yeux, je vais soit les faire moi-même, soit en trouver d'autres, mais je pense plutôt les faire moi-même, vu que je crois que j'ai peut-être la bonne taille de cabochon. Donc, je ne sais plus, mais je pense les faire. Donc, je ferai une vidéo dessus, du coup. Pas tout de suite. Le temps que je fasse mon déménagement, bah voilà, ça sera sûrement après. Mais voilà, en gros, je ferai ces petits yeux moi-même, je pense, pour avoir vraiment la couleur que je veux. Alors, maintenant, alors attendez, je voulais juste remettre un peu ses cheveux comme c'était. Voilà. Vous voyez bien à peu près tout. Voilà. Bah, j'ai mon chat qui va dans la boîte. Non, mais sérieusement, tu trouves pas que c'est un peu petit pour toi? Il essaie d'aller dans la boîte là. Mais vu la grandeur qu'il fait, ça passe pas. Ah, sacré minet quand même, hein. Donc, voilà. Donc, ces petits yeux, vous allez voir pourquoi je vais vouloir les changer. Alors, c'est pas la couleur qui me dérange, hein, pas du tout. C'est surtout le fait que ce soit un fond papier. Donc, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a des petites pliures. Donc, ça me dérange un peu parce que ça fait pas réaliste du tout. Et c'est pour ça que je veux absolument les changer, parce qu'il y a des petites pliures dans les yeux, alors là peut-être que vous allez voir, mais voilà, c'est une grosse raison pourquoi je veux mettre des nouveaux yeux. Sinon, cette petite tenue qui est vraiment très très belle, hein, voilà, le petit jupon, les petites chaussettes que j'adore, je trouve ça trop mignon, ces petites chaussures, sa petite queue. Donc je mettrai un fil de fer dedans pour pouvoir la mettre un peu dans des positions un peu plus sympas que toute pendouillante. Sinon ces oreilles, bah, je les ai mis dans ce sens-là pour voir ce que ça donnait. Bah, c'est très mignon aussi, ça fait des petites oreilles un peu recroquevillées comme ça. Et sinon de l'autre côté, bah, évidemment, c'est le côté avec les oreilles un peu plus droites. Donc voilà. Moi je les ai mis comme ça parce que, je sais pas, j'avais envie tout simplement. Donc ces cheveux, ils sont très très beaux, mais par contre j'ai peur qu'ils tiennent pas très très bien. J'espère qu'ils vont pas s'abîmer trop vite, hein. Sinon, bah, de toute façon, je devrais en racheter une. Je verrai bien. Du coup, pour ces petites paupières, alors je vais vous montrer quand même. Alors attendez, faut que je m'habitue. Voilà. Donc voilà, les yeux fermés. Donc elle bouge très très bien ses yeux, il n'y a aucun souci. C'est un peu flippant comme ça, hein. Juste un œil ouvert comme ça. C'est un petit peu flippant. Alors, voilà. Donc en gros, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup son make-up. Franchement, très très simple, mais pas trop.
Parfait, pour moi c'est parfait. Elle va être juste géniale personnellement pour lui mettre d'autres vêtements. Quasiment tout lui ira parce que son make-up en fait il n'est pas chargé, pas foncé, pas d'une autre couleur. Donc tout peut lui aller, donc c'est parfait. Ses cheveux, je verrai plus tard. Je prendrai sûrement vers la même teinte. Ou alors carrément autre chose, style le chat de Cheshire de Tim Burton. Il a les cheveux, enfin, les poils gris, bleu, turquoise, enfin un truc comme ça. Je vais essayer de trouver cette wig là, mais c'est pas gagné. Donc, sinon, voilà pour la petite poupinette que j'ai dû refaire sa vidéo. Alors, hop, voilà, ça sera mieux en net. Franchement, je l'adore, je la trouve trop trop chou. Je sais pas quoi dire. Franchement, je la surkiffe, j'arrête pas de toucher ses cheveux comme ça pour la recoiffer. J'adore, j'arrête pas de la regarder. Enfin, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi elle est tellement belle et tellement mignonne. On peut faire plein de choses avec elle. Alors j'ai hâte d'avoir son Obitsu pour pouvoir faire des positions beaucoup plus sympas, parce que là c'est un peu robotique quand même, hein. Les positions des mains et tout, enfin, c'est pas ça, hein, parce que là voilà, c'est le maximum qu'elle puisse faire. Plier son bras comme ça, c'est le maximum. Donc, c'est pas génial, vous voyez. Ça fait très robotique, donc j'ai vraiment hâte d'avoir les Obitsu pour pouvoir faire des belles photos. Donc bien sûr, vous aurez des photos pas à la fin de cette vidéo parce qu'il fait pas beau en ce moment, donc je ne ferai pas de photos. Je vais pas faire des photos en intérieur, c'est pas terrible, j'ai pas de quoi faire. Du coup, bah, dès qu'il fera beau, je ferai des super photos de ces miss. Et je vous les montrerai bien sûr dans une vidéo, pourquoi pas montage, enfin photo, et puis voilà. Enfin bref, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que la présentation de cette petite miss vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire quand vous verrez l'autre laquelle vous préférez, parce que la vidéo de l'autre sortira après. Du coup, je pense qu'elle sortira la semaine prochaine. Celle-là va sortir cette semaine, enfin bah, vous allez la voir cette semaine du coup, oui c'est sûr, et l'autre sortira la semaine d'après, comme ça vous fera une vidéo Pulip aussi la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment hâte que vous voyez les deux présentations et que vous me dites laquelle vous préférez en fait. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, bye bye!